Eh bien, salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Project Zomboid, The Lighthouse Project. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cette aventure, voilà, dans cette série où on essaye de. L'idée centrale, c'est un petit peu s'installer dans un phare, enfin voilà, dans un bâtiment qui ressemble à un. Enfin, qui a été fait pour être. C'est un mode. Hein. On se trouve au bord de l'eau entre West Point et Riverside. Voilà, et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible, d'essayer de s'y installer, de commencer à mettre en route l'agriculture, la pêche tout doucement, enfin voilà, alors c'est pas tout de suite. Parce qu'il va falloir aller chercher du matériel. On est loin d'avoir encore tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer tout ça. Différentes à apprendre pour arriver à faire ça. 9h, 6 janvier. Oula, il y a du brouillard dehors, j'ai l'impression. On en est à. Ouais, c'est ça, 5e jour. Hein. C'est le 5e jour. Donc, on a démarré le 1er janvier, on est le 6 janvier, ça fait une petite semaine. Qu'on a démarré, voilà, on s'en sort pas mal pour l'instant. Alors, il nous manque encore un bon sac à dos quand même. Hein. J'avais fait une liste, ah voilà, c'est ça que je voulais voir. La liste ouvre-boîte, ok, cigarette, c'est ok, briquet, allumette, ouais, c'est pas encore totalement ok parce qu'on a. On n'en a pas beaucoup, on en a un ou deux briquets. Bon, les boîtes de clous, c'est en cours. Désinfectant, il faut en trouver. Ceinture, on n'en a toujours pas trouvé. Une hache, on n'en a toujours pas trouvé. On a encore plein de choses à trouver, effectivement. On va rajouter agriculture. Voilà, et pêche. Tout ce qui est matériel de pêche et d'agriculture. Et après, il va falloir penser aussi générateur. Ah merde, je peux plus écrire. Ah ouais, j'aurais du besoin de. J'aurais besoin de. C'est pas grave, on peut continuer à écrire comme ça. Qu'est-ce que je voulais mettre du coup Mince. Générateur et essence, c'est ça. Générateur. Essence. Voilà, bon. Ça, tout ça, c'est en projet de récupérer. Alors, ici, ça, on va le ranger. Qu'est-ce qu'on a comme. Alors, on a un petit peu de soin sur nous quand même. Comme arme. On n'a pas d'arme. J'ai pas de bonne arme. Ouais. De corps à corps. J'en ai pas de. Je me suis beaucoup servi des armes à feu pour l'instant pour me débarrasser des zombies, mais en termes d'armes. Qu'est-ce que j'ai en réserve? Ça, c'est mes boîtes de clous. J'avais une machette, mais elle est cassée. Et j'ai pas de quoi la réparer. Alors, à moins que, on peut peut-être prendre ça, en attendant, à moins que j'ai ce qu'il faut peut-être dans ma réserve, on va aller jeter un œil. Ouais, du brouillard ce matin. Est-ce que ici. Ouais, j'ai ça. On peut peut-être essayer de réparer la machette avec ça. Ça, on va le ranger. Ça, on pourra le prendre pour réparer l'arme. Ça peut être pas mal.
J'ai un petit peu faim. Je m'ennuie un petit peu. L'ennui, c'est pas grave, ça va vite partir parce qu'on va faire des choses. Allez, on va se manger un petit truc et on y va. On va aller faire un tour. Hamburger, c'est pas mal. On se remplit la bouteille. Ok, 10h10, c'est une bonne heure pour partir en expédition. On y va. Moins 3 degrés. On va essayer d'aller retrouver le. Il y avait un. On avait tué un zombie avec un. Il avait un katana, je me souviens. J'avais dit lors du dernier épisode qu'on essaierait de le retrouver. On va essayer. Je promets rien parce que. Il y avait quand même encore beaucoup, beaucoup de zombies. Le but là c'est d'être un petit peu plus discret quand même que la dernière fois. On va essayer de voir si on peut pas récupérer ce katana. Alors ça va pas être facile dans le brouillard. Bon, on va essayer, on va essayer. Vraiment épais là, ce serait bien qu'il se lève. C'était si loin que ça. C'est des maisons, des villes. Ah, c'était plus au sud, je crois. Zombie là, alors est-ce que c'est ça? Non, je pense pas. Ah, il y a l'air d'avoir des plus de zombies par ici. Ouais, si on arrive, on arrive. Oh, les allumettes. On arrive là où on avait fait le massacre de zombies. Ils doivent être parmi ce tas de zombies là. Il doit y avoir celui avec le katana. Ah, bah ça va, ils sont partis. Les autres sont partis, ils ont dû s'éloigner. Alors du coup maintenant aller retrouver le bon zombie, ça va pas être évident. Voilà, c'est peut-être bien plus dans ce tas là-bas, même voir encore plus au sud.
pas parmi ceux-là. Attention, parce qu'ici j'entends du zombie. Si pourtant c'était là qu'on avait. Ça me parle, cette maison brûlée. Ouais, si c'est un peu plus au nord le. Ouais, normalement il est là. Bon, on va le retrouver. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Yeah! En plus, c'est en parfait état. Ça, c'est superbe. Épée de samouraï. Nickel. Voilà, alors avec ça, on est tranquille. On a une putain d'arme. Ça, c'est bon, ça. Bon, c'est bien. Je l'ai retrouvé, je suis content. On va peut-être pas aller les provoquer, hein, les zombies là. Toi. Ça, en même temps, ça permet quand même de réguler un peu la population locale parce qu'ils sont quand même nombreux. Et en même temps, en les éliminant comme ça, l'idée c'est pas non plus d'en provoquer d'autres. Arbre à famille gênée. Ils sont quand même un sacré paquet. Heureusement que j'ai un bon sabre. Ils me permettent quasiment des one-shot à chaque fois.
remontera l'électricité, on se prendra la tête, on prendra un tournevis, on démontera les montres. Bon là j'avoue, je cherche la merde. Cigarette avant de reprendre le combat. Ah! Justement, j'en voulais un. Parce que je crois qu'en plus, je peux commencer à démonter les montres. Électricité, ouais, on peut parce que j'ai mis le bonus, donc on peut le faire. Je me demande pas si on va pas essayer de s'attaquer à ce groupe-là. On va essayer, on va commencer en tout cas. Merde! Oh là 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 là! Le vilain raté! Je crois que j'ai de la chance, j'ai pas été mordu. Oh purée la chance! Oh le coup de bol monstrueux! Par contre, j'ai perdu mon chapeau dans l'histoire. Mais c'est pas grave, parce que là franchement, j'ai eu un gros coup de chance. Mais je sais pas pourquoi il s'est pas. Je les ai pas touchés, j'ai fait un gros manqué là. Oh la chance! Oh là là là! Je reviens de loin. Oh, que je reviens de très loin alors. Ça aurait pu signer la fin de cette saison et la mort de Cheryl Mercer. Parce que là, vraiment, deux morts sur coup et deux miss de la part des zombies. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance.
J'ai cassé le... J'ai cassé bon, c'est bon, le sabre. Bon, j'en ai éliminé pas mal quand même grâce à ça. Je vais reprendre ma machette. Sans que ça fait moins de dégâts. Bon, même si j'arrive à faire encore quelques one shot. C'est parti pour le démontage des montres. C'est là, je crois qu'on peut pas. Non, celle-là, on peut pas les démonter. On peut démonter que les digitales. Mais l'idée, c'est de me faire monter d'électricité. Parce qu'en fait, une fois qu'on a pris aussi un point mécanique, on pourra démarrer n'importe quelle bagnole. Et ça, c'est intéressant. On sera pas obligé d'avoir les clés des bagnoles. Petite montre. Le problème d'électricité, c'est que ça monte super doucement. C'est vraiment. Ça monte vraiment vraiment doucement. Ça c'est chiant. Bon, enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas pressé en même temps. D'autant plus que j'ai le trait aussi apprentissage lent, donc ça multiplie encore le temps nécessaire. Ah, mon chapeau. Alors, faut que j'essaie aussi de. Bon, c'est plus RP qu'autre chose. Trouver une petite tenue de sport pour faire du sport. L'idée, c'est de trouver un rythme après où je fasse régulièrement du sport. Bon, pour l'instant, c'est pas trop possible, mais par la suite, quand on aura pris un bon rythme, l'idée, ce serait de le faire. Ah, j'ai bien failli encore me faire avoir, j'ai tapé dans la mauvaise direction. Faut que je fasse gaffe, c'est encore un gros paquet de zombies là. Je sais pas si je vais pouvoir tous les tuer. Thank you.
visité quand même un certain nombre, quoi. Bon, faut dire aussi, on a fait joujou avec les armes à feu, alors. Ça a attiré tous les zombies du coin. Mais bon, en même temps, là. Ça permet quand même de pouvoir régler un peu tout ça. Oh, elle a un meilleur sac à dos que moi. Toi, tu m'intéresses. Je te retiens, toi. Je retiens ton emplacement. Enfin, j'essaye. Sac à dos d'étudiant, ça se prend. Alors, je me pose un peu, je suis fatigué. Merde, une machette. On n'a plus d'armes, on va les poser 14h30. Bon, c'est bien, on a trouvé un nouveau sac à dos. On va faire le transfert tout de suite d'ailleurs. Sac à dos, ça, ça s'en fout. On garde en souvenir. Ok, on met pas beaucoup plus, mais je crois qu'il par contre, les affaires sont plus légères dedans. J'avais pas une, ouais, c'est ça, j'avais une arme de secours quand même. Ok, on a trouvé des clopes, on a trouvé des briquets, donc ça c'est bien, des allumettes. Fatigué, mais bon, de toute façon, je suis quand même bien fatigué parce que je sais qu'au premier combat, je vais me retrouver fatigué. Bon, c'est bien. On a gagné pas mal de points d'expérience ici, hein. Attendez, on a le temps, on n'est pas pressé. On va regarder. Voilà, démonter les trucs à démonter. Essayer de grappiller quelques points en électronique.
un peu de compagnie, un peu de vitamine, ça se prend. Je suis stressé. Je pense parce que j'ai plein de sang sur moi. J'ai le trait homophobe, faut pas oublier. Ah, quoique, j'ai pas beaucoup de trucs qui sont ensanglantés. Normalement, il pleut, ça doit diminuer. Non? Alors, normalement j'ai un petit truc à manger sur moi. Ouais, j'ai ça. Les chips. Ah, mais j'avais une hache aussi là sur le truc. Poser ça l'autre fois sur la caisse. Bon, 15h40, on va se rentrer tranquillement, on va aller faire un peu de lecture, on va finir l'après-midi pépère. J'avais pas installé le mode qui faisait qu'on se nettoyait quand il pleuvait. Je sais plus. Ça a pas l'air de marcher. César, il fait déjà bien sombre. J'avais fermé la clé. J'ai pas les clés en fait de cette maison. Les ranger nos...
sport. Ah, elle était bien abîmée la veste. Que je retrouve, comment dire, une autre veste de pompier parce que celle-là est bien abîmée. Elle a bien été déchirée là par le par les zombies. J'ai vraiment beaucoup de chance. Alors ça c'est cassé. On va les ranger parce qu'on n'aura plus besoin. On verra si on trouve de quoi les réparer encore. Ça le problème c'est que les duct tape ils sont pas. J'en ai pas assez pour les réparer. De toute façon, le sac à dos, faut qu'on s'en débarrasse. On n'a pas le choix. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je crois qu'on avait commencé à faire des exercices. Squat. Ouais, c'est ça. J'arrive à en faire régulièrement. 17h20, ok. Faut en accélérer. Un petit livre, petit comic book, ou un petit magazine. Ah, j'ai monté encore un skim. Ah, j'ai monté trapping. Ok, ça se prend. J'ai monté ça sans rien faire. C'est quand même sans jamais pêcher, sans jamais faire de piège, sans jamais. Fouillé, j'ai quand même réussi à grappiller de l'expérience avec la télé. Ok. Je suis. Je suis un peu en sueur, mais c'est pas grave. Ça va dé. Oh, bah ça va, c'est parti. Je suis fatigué, c'est normal. Je viens de faire une séance de sport. Je vais me préparer à manger. En ce moment, je mange. Les hamburgers. Alors, est-ce que j'ai une poêle? Grille panne, est-ce que je peux se servir de ça pour
problème parce que quand j'en ai une là-dedans que j'avais utilisée pour non même pas. Et là-dedans, c'est que des boîtes de conserve, ok. Oh, il va falloir que je trouve une poêle. Une poêle! On va se servir de ça. Voilà. Sont mis à cuire. Profitons que nous avons encore l'électricité, tout le confort, parce que ça va pas durer. Voilà, ça va pas durer. Alors le temps que ça cuise, on va faire un peu de lecture. On avait commencé à lire, je crois, celui-là. Ouais, 56 pages. Le premier soin pour les nuls. On a eu le temps de lire 12 pages. Bon, bah écoute, ça, écoutez, ça se prend. Hein. On va le remettre au frais, on mangera plus tard, on n'a pas faim. 19h20, il est un peu tôt pour aller se coucher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? De refaire une séance de sport, ça peut être pas nous faire de mal pour finir de nous achever. Allez, c'est reparti pour 1 heure de squats. Ouais, j'en ai pas fait 1 heure parce que je suis trop fatigué. Allez, me coucher. Encore pas mal de trucs à faire. Faut s'amuser à tout lire, à tout. Alors, bon. Bon, on y va. On va aller se coucher. Ouais. C'est parti, 20h. C'est une bonne heure. Voilà. Et puis, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Après, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Bonne nuit de sommeil. h 20. Voilà. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 5. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 6. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao, salut!